Je vais laisser 05 prendre la parole. Je pense qu'il a un truc à dire à toute l'équipe. Je vais laisser la parole 05 qui connaît aussi. Oui, donc comme vous voyez, je suis en tenue de civil aujourd'hui, tout simplement parce que bon, le capitaine est au courant depuis une bonne vingtaine de minutes. J'ai pris la décision, après ce qui s'est passé aujourd'hui, de rendre ma plaque d'officiel Speedy, tout simplement parce que je suis passé à deux doigts de la mort aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas là, je me suis pris une balle à l'épaule et une balle au genou. Et je remercie d'ailleurs tous les collègues qui ont été là pour assurer ma protection et ma remise en forme. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, la vie est très chère et que je ne suis pas forcément prêt psychologiquement à assumer encore aujourd'hui, au vu de mes blessures, tout ce qui est nécessaire pour être un officier compétent et performant sur le terrain. Donc je m'excuse auprès de vous de cette décision un peu hâtive. J'ai passé néanmoins de très bons moments avec vous. Je ne pars pas fâché ou en colère contre quelqu'un. Je vous ai tous apprécié tout ce temps que vous êtes, vos façons de travailler, vos façons de réfléchir, etc. Mais voilà, je compte me remettre en service bientôt, mais cette fois-ci dans un autre métier. Je l'espère devenir directeur du service de taxi de la ville de Los Santos. Donc je reste dans le service public, mais je prends moins de risques sur le métier. Voilà pour moi. Ouais, voilà. Bravo. Avant la radio. Bon ben, je te ferai un débrief sur 31. Du coup, est-ce que tant que Madame Smith et Monsieur Tichot est là, est-ce que vous avez des demandes à faire directement au gouvernement? Côté SPD, évidemment, pas de demande personnelle. Non. Négatif. Ok. On va passer du côté des promotions. Ok. J'ai pas mon service depuis longtemps, mais il va falloir recruter intensivement des nouvelles personnes, donc il me faut des gradés pour m'aider. Pour ça, je vais devoir faire des montées de grade rapidement. Déjà mes idées, on va en parler juste après. D'abord, j'aurais une petite question pour vous, Monsieur Tichot, enfin vous aussi, Madame Smith. Excusez-moi. Est-ce que le papier, donc du coup de 2 jours, est-ce que le papier définitif a été fait ou pas? Histoire que si oui ou non je peux prendre des décisions Je suis en et train de faire des procès. finaliser son licenciement carrément. Ok. Et est-ce que du coup vous me permettez de commencer à faire des promotions? Oui, tout à fait, allez-y. Je suis en Et train de faire des procès. finaliser son licenciement carrément. Est-ce que je le fais? Oui ou non? Soir. Oh! Ok, tu bouges pas, tu Non! bouges pas, tu bouges pas. Là-bas, t'es pas, là-bas, t'es pas, là-bas, t'es pas. On Oh explique comment non! il est rentré par là, par contre. On va appeler la Ok, LSF. on le menotte et Mais tout. il a Putain de plusieurs merde! rounds! Vite, compressez la blessure! Mais y a pas de réseau dans ce bunker là. Capitaine, Monsieur capitaine, monsieur, Robinson, capitaine, comment il est rentré? monsieur, C'est pas monsieur, l'officier écartez-vous, LSF. écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous. Putain, je te Écoute-moi jure. bien, Écoute-moi sale fils. Écoute-moi bien. T'as de la 13, chance de ressortir de aide-moi. cette histoire vivant. Appuie sur Ok, sa blessure. 78, va voir avec. Appuie Non, sur je vais sa... secourir. 78, par. 13, appuie sur sa blessure, s'il te plaît. Les LSS Putain, sont présents. mais comment il est rentré, cet Quelqu'un enculé?
Quelqu'un a appelé les SOS? J'y vais. 0,5, je m'en charge. Parfait, ouais. X, ça va bien se passer. Capitaine, vous restez avec moi. 10-4. Mais s'il vous plaît, paniquez pas, radio, ça va être le bordel. Faut que quelqu'un prévienne les ELS. On se met d'accord sur qui prévient les ELS, Nick, il va les chercher le plus vite possible. C'est fait, j'ai capitaine, prévenu, je vous les restez avec moi. Allez, capitaine, accrochez-vous. Allez, capitaine. 0,5, je vais à l'avant du commissariat. 78, s'il te plaît, parle pas radio pour dire ça. Je pense que tu vas devoir le démenoter pour l'aider à enlever sa casquette. Ok. Ouais, bah je le laisse menoter, hein. Je le tiens en joue. Il est toujours menotté, hein. Faut le fouiller. Il est toujours menotté. Je le tiens en joue, de toute façon. Ok, les ELS, on va s'en en route, hein. Enlève ta casquette et ta cagoule, s'il te plaît. Maintenant. Si je veux retirer votre cagoule, tu peux me donner son poignet, s'il te plaît. Son poignet droit. Allez. Ouais. Ah, mais. C'est l'ancien capitaine. C'est l'ancien capitaine, bordel de merde. Jackson. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que t'as foutu là? Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as foutu là? T'as fait quoi là? Pourquoi t'as merdé comme ça, mec? Son pouce est stabilisé. Qu'est-ce que t'as foutu là? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que t'as foutu? Oh, Jackson! 78 va prendre le relais, s'il te plaît. D'accord. Vers 18. C'est pas 78. Lui que je voulais viser, mais malheureusement. Tu vois sa balle? Tu visais qui? Procureur. Pourquoi tu voulais abattre le procureur? Ouais, allez, hop. Pour des raisons personnelles. Ah, c'est dégueulasse, bordel. Ah, mais putain, mais... Comment t'es rentré jusqu'ici? 0-1, putain. Tenez bon, capitaine. Attention avec qui vous travaillez, messieurs, dames. Les MS sont en route. Faites attention aussi avec qui vous bossez. Les dirigeants, les patrons. Ils peuvent jouer un bel ou un bel jeu. Jackson. Tu me tires sur le capitaine, là. 10-4. T'as vu sur qui tu viens de tirer? C'était pas lui que je voulais. Comment t'es rentré? J'ai toujours... Mais que tu le visais ou non? Je suppose qu'il avait encore sa carte. C'est un petit peu moi qui ai construit ce bâtiment, messieurs dames. Putain. Disons que je connais aussi les codes. 0-1. Putain. Je sais pas, il est en modération ou pas. Là, ce que vous avez fait, c'est mort. Tu vas prendre cher, 0-1, pour ce que tu viens de faire. Je comptais le faire. Voir le lit, il est là. Je viens d'arriver sur le lit. Mais Jackson, je lui ai fait un garrot. Je lui ai fait une piqueur de morphine de 2 mg pour maintenir son pouls. Monsieur le procureur. Ouais, monsieur le procureur. Il s'est pris mal. Je vous parler quelques instants. Oui, vous avez un brancard? Bravo. Vous savez même pas à quel point j'ai envie de vous mettre une balle dans la tête, mais à quel point j'ai d'honneur pour pas le faire. Mais vous savez même pas à quel point j'ai envie de le faire. Fais-le si tu veux, 13. Mais comment vous avez pas d'honneur? Oh, vous avez tiré sur 18. Vous avez tiré sur 18, votre acolyte en fait. Effectivement. Oh, vous avez mis 18 à terre. J'ai mis une balle dans la tête. Vous avez fait ça Entre les deux yeux. Hein? Vous avez fait ça? Vous avez pas de votre plaque? Non, tu passes ton arme. Il mérite pas ça. Mais si, il mérite en prison. Non, il mérite d'aller en prison. Oh, il a mis une balle dans le capitaine, mais ça sera juste qu'il décidera s'il prendra la peine de mort. Non, mais vous savez même pas à quel point j'ai envie de vous la mettre là. Ça me tire fort. 13. Ça va aller. Même si j'ai que qu'un des calmes. Voilà, la justice va faire la chose. Emmenez-le. Allez-y, emmenez-le directement là. Bon, on va prendre un foire. Voilà. Même si c'est vous qui m'avez recruté, fouillez l'équipe. Ses parents ils disent que ça n'était pas lui, donc bref. Donc maintenant, à partir de maintenant, vous êtes passé en état d'arrestation pour tentative d'homicide sur un agent de la SPD. Pour l'instant, il n'est pas encore déclaré mort. Hein. Donc vous avez le droit de garder le silence. C'est pour ça, ce droit, tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit d'avoir un avocat et d'avoir un avocat présent dans votre interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat, elle vous sera commis d'office. Durant chaque interrogatoire, vous pouvez exercer vos droits de répondre à aucune question, de faire aucune déposition. Vous avez le droit de l'eau, de la nourriture ainsi que d'espèces médicales en cellule. Vous avez bien compris vos droits, monsieur? Oui. Très bien. Maintenant, j'ai procédé à une palpation de votre personne. Vous avez quelque chose, illégal ou coupant, à part une arme à feu? Non. Vous pouvez aussi fouiller mon sac. 10-4, ouais. Très bien. Bon,
Monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui. Ok. Je vais vous demander pourquoi est-ce que. Enfin, comment avez-vous su? Comment avez-vous été mis au courant de la réunion qui se tenait en bas. Qui se tenait en bas dans le. Excusez-moi, dans le sous-sol du commissariat. Je sais pas si ça vient de vous. Et puis, non, mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Comment vous êtes au courant? Et aussi, comment vous êtes au courant que le. Donc que la cérémonie, ouais, comment vous êtes au courant que la cérémonie a lieu en bas et aujourd'hui à 21h, s'il vous plaît? Foutez de moi, j'espère. Expliquez-moi comment vous êtes au courant. Vous pouvez me rappeler qui j'étais avant, enfin qui était mon ancien grade? Vous étiez pas dans le, vous étiez plus dans les dossiers, monsieur. Vous étiez plus sur la radio, vous étiez pas censé savoir. C'est moi qui organisais chaque dimanche soir la cérémonie. À 21h, ça a été décidé de l'heure. J'ai en tout cas l'accès à la tablette interne du LSPD. Je viens de perdre les droits quand je suis entré en ville, mais j'ai pu voir l'annonce faite juste avant de perdre ses droits. D'accord. Et accès avec mon badge du capitaine LSPD que j'ai encore dans ma poche, que j'ai pu rentrer, sachant que je connais aussi les codes d'entrée pour rentrer dans la pièce. D'accord. Je vais vous demander aussi comment est-ce que vous êtes au courant que le procureur ainsi que Madame Smith, la gouverneure, serait présent lors de cette réunion, de cette promotion. J'étais le capitaine du LSPD, me doute. Qu'ils allaient promouvoir un nouvel chef de police, je me doutais bien que ça ne pouvait pas être interne à la LSPD, je me doutais bien que c'était une autre personne externe, et vous savez très bien que moi, que celui qui a les pouvoirs s'appelle le gouvernement. D'accord, et du coup, vous avez su rentrer comment sur les lieux? Vous m'avez dit avec votre carte d'accès? Je connais les codes d'accès et j'ai ma carte d'accès en même temps. Très bien. Donc légalement, je vous le dis, hein, légalement je peux y rentrer, illégalement je peux aussi y rentrer. D'accord, très bien, je vais voir ce qu'on va faire de vous. Très bien, je vous laisse rentrer, je reste à la place devant. Parfait, mais je crois qu'on n'aura pas vraiment le choix de l'amener à l'hôpital, je peux le maintenir dans un état stable pour l'instant. Il faut le maintenir, mais il faut qu'on fasse un transport à ce moment-là, parce que bon, je ne vais pas l'amener tout seul à l'hôpital. Hein. Et j'attends l'ordre de mes supérieurs. Donc, si vous pouvez m'utiliser pendant que j'essaie de contacter mes supérieurs. Parfait. Donc, monsieur, vous avez reçu deux balles dans la jambe, c'est bien ça? Oui. C'est pour ça que, regardez, j'ai un peu de mal à me déplacer. Vous voulez que je me mette en position? Non, je vais vous mettre. Je vais vous mettre une compresse. Je vais vous attacher une ceinture autour de la jambe pour que le sang arrête de fuir. Je vais vous mettre aussi un bout de tissu. D'accord. Par-dessus. L'hémorragie va se maintenir. Je vais vous injecter aussi un peu de morphine parce que ça doit pas faire du bien. Pas du tout, je vous cache pas. Ouais, mais bon, voilà. Il a envie. Bon. Putain, merde, il a envie, fais chier. Donc pour l'instant, ça devrait vous maintenir en vie. Et je crois que c'est pas très, tu l'as pas ta tête. Je dois quelque chose. On va vous amener à l'hôpital et c'est. J'avais pas mes armes pour moi. À l'hôpital, j'avais... qu'on va vous facturer. D'accord. Très bien. Donc. Voilà. Donc vous me direz quand vous voudrez le transférer à l'hôpital. Ouais. Préparez l'ambulance. Qui vole. Arrête de faire semblant, je te jure, c'est n'importe quoi. C'est non, pas possible. Je fais pas semblant là. Oui, tu m'auras pas de toute façon. Vraiment. C'est quoi? Je vais faire un IRM. C'est ce que c'est un IRM. C'est quoi? C'est ce que c'est un IRM. Ah oui. Pourquoi tu montes la lumière? C'est ça l'IRM. Oui. Ça me fait rigoler. Oh ouais, la lumière. D'ailleurs, je vais me rapprocher de la lumière. J'ai pris assez de temps. J'ai soif. J'étais vertige. Bon, je m'en fous.
j'aurais pu me lever. Oh, tu vas pas être content, mais y a rien qui a été touché. Je me sens pas bien. Je me suis même gueulé sur. Vraiment pas bien. Qu'est-ce que t'as? J'ai la langue sèche. Tu veux boire un coup? La lumière. Je l'ai enlevé la lumière. Je l'ai enlevé la lumière. Celle-là, là, à côté de moi, là. Je l'ai enlevé. Ouf. Joli, toi. Salut, mon coucou. Maman, j'étais le plus beau capi. Oh. Pas sûr. Je sais pas si fonctionne le slash me. Si vraiment j'ai une mort, c'est la mort la plus nulle au monde. On est mort. Ouais, bon, je vais le réanimer, moi, t'inquiète. Ah, excusez-moi, sortez s'il vous plaît, c'est une salle stérilisée. Là, c'est bon, je le réanime, je peux, moi. Je le réanime, les gars. Du coup, j'ai fait un IRM, il a rien du tout, il a rien qui a été touché, je l'ai tout recousu, je l'ai tout désinfecté, je l'ai bandé. Ouais, là. Ouais, voilà, bah il a plus rien simulé, je sais pas ce que tu me racontes. Il simulait vraiment, là, quand il était dans le coma? Oui, bah oui. Ouais, bah non, en fait. Tout va bien, monsieur? Bien sûr, tout va bien. Bah, à l'hôpital, monsieur. Attendez, vas-y, Lenny, attends, occupe-toi de lui. Merde, attends, excuse, merde, c'est mauvais truc. Mal à ma langue. Monsieur... Vous avez rien, j'ai fait l'IRM, mais il n'y a rien qui a été touché. Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah là, il n'y a rien du tout, il y a... Les policiers vont venir vous chercher. Il y a du sang là où je suis, putain, c'est quoi ce bordel? Vous m'avez charcuté, ah ouais... Charcuté. Vous surtout extrait les deux balles que vous avez dans la cuisse. Du coup, j'ai quoi? J'ai une attelle. Non, je vais vous donner tout simplement un fauteuil roulant pendant un ou deux jours. Bon, du coup, vous allez attendre là, on va voir si votre avocat arrive, sinon vous avez le droit à 24 heures de garde à vue. Hein. Et après, qu'est-ce que 17 elle m'a donné? Oui, alors. C'est une arme, d'accord. Oh, bah, elle est sympa, elle m'a donné quand même une arme assez chère. Ouais, alors. Ouais. Du coup, je vais contacter son avocat, monsieur Gordon. Là, je vais le contacter par mail. Enfin, okay. Je vais contacter directement par Twitter, au pire. Mais j'espère, vu que c'est une arme qui est dans mes poches, je vais pas la perdre quand je vais rendre mon uniforme. Négatif, si c'est pas une arme. Ok, c'est. Attends, je regarde le nom. Anonyme, petit cadeau, livré sur le plat. Où c'est que c'est cet appel? Non. Pistolet MK2x1. Parce que t'es toujours en tenue de cérémonie. Oui, mais bon, ils m'ont dit de te garder, alors même si c'est fermé à double tour, je peux pas te quitter les yeux. C'est vrai que c'est... On va bien se demander comment je vais m'échapper. Hein. Bah, comment dire, tu pourrais crocheter la serrure. Avec quoi? Vous m'avez fouillé? Vous voulez que je... Ah, avec les lunettes. Bonne idée, j'ai essayé, tiens. Avec les lunettes ou la sangle du sac? Là, avec... Mais après, je sais pas où il l'a mis. Il m'a dit au téléphone qu'il l'avait mis de Oco au Lespidi. Après, je sais pas. Si c'est un mécano, un citoyen, il a pu la mettre que devant. Ouais, ouais. Bon. Peut-être une fois de professionnel, ça, tu sais. Mmh. Mais je peux pas te quitter les yeux. Non, mais c'est un appel que tu passes, c'est pas aller le voir. Mmh. Ah, de toute façon, il y a 12 qui arrivent. Putain, merde, c'est 2.
Tu es jeune. Non, reste là. De toute façon, faut que je prenne la fin de service. Malheureusement, là, j'ai un problème là. Ok. Faudrait qu'il se tourne. Faudrait qu'il se tourne, putain. J'espère que c'est ping. Désolé, j'ai pas le choix, je dois payer des dettes. C'est tendu. Non, tout à l'heure j'étais juste venu en mode t'as quel fils de pute ce mec. Ah d'accord. Non mais tu sais que. Je me doute, c'était pas pour moi, c'était pour le procureur. C'est pour ça que j'ai eu le réflexe de direct me mettre sur la droite. Parce que je savais que mes items à ma gauche et que le procureur était à droite. Du coup, je sais pas si t'as vu, dès que t'as sorti l'arme, je me suis tourné vers la droite parce que je savais que c'était pas sur mes totalités, c'était sur proc. Parce que moi ils m'ont dit HRP, j'ai été voir les faits, que j'ai fait putain, fichier, je me prends pas une 4ème RP, c'est bon, 2 mois de vacances, je me prends pas 4ème. Mais non, je me suis dit, quand j'ai tiré, je. Et t'as dit entre les deux yeux. Du coup, j'ai dit, ah non, 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 moi je leur ai dit que j'avais pris une balle dans le cœur, comme ça c'est une nouvelle opération si je me prends. Oh, putain, c'est bon, je me suis dit, c'est bon, on prend mon RP depuis le début de vacances, là on est à la fin des vacances, je me prends pas une 4ème. C'est bon. Enfin, je vais voir Mizy, elle m'appelle. Je vais voir.